vais dire à Sindri que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Non. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. J'arrive toujours pas à les lire. Pourquoi on devrait cacher notre vraie nature? C'est Odin qui garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète pas. Petit, tu es impatient de découvrir la Terre des Géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah! Ne bougez pas! J'arrive dans 2 secondes. Mère, je peux lui dire? Non. Me dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas. Je vais vomir. Ce n'est rien. Une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi, et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Et tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Je vois. Oui! On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Très bien. Ce n'est pas très gentil. Je vais examiner ton équipement. Je pense pouvoir trouver l'énergie nécessaire.
a quelque chose? Non. Et voilà. Petite armure, petit homme. Est-ce que je peux faire autre chose?
Pourquoi as-tu parlé aux nains sur ce ton? T'en as pas marre de les entendre se plaindre tous les deux? Si. Mais faire de lui notre ennemi n'arrangera rien. Il doit connaître la vérité, même si ça blesse. C'était inutile et cruel. La vérité est plus importante que la bonté. Ta mère ne serait pas d'accord. C'était pas une déesse. Non. Mais pourquoi? On est presque arrivé, tu sais que je peux le faire. Tu es sûr? Après ce que tu viens de dire sur elle, j'en doute. Quoi? Que c'était pas une déesse? Elle était meilleure qu'une déesse. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Très bien. T'as qu'à la porter. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous l'avons fait jusque-là. Oui, père.